tu n'arriveras pas à entamer la bonne nuit. Pierrette, petit café serré, j'imagine, comme d'habitude. Oui, merci.
dames, excusez-moi. Vous prendrez deux cafés. Et deux croissants. Café et croissant avec un verre d'eau. Dans le bain. Mais je te fais juste un petit peu. Je vais pas me mettre.
parents. Tu dis chez moi, alors que chez toi, maintenant c'est chez nous. Oui, bon, bah, c'est bon, t'as bien compris ce que je voulais dire. De toute façon, je te l'avais dit il y a longtemps. On va aller manger chez mes parents. Franchement, si tu me l'avais dit, je m'en souviendrais. Bah, ça m'étonnerait que tu écoutes que ce qui t'intéresse. De toute façon, quand tu fais de ma mère, on va te faire. Ah, franchement, excuse-moi, ta mère, est-ce qu'elle est intéressante? Répète un peu ce que tu viens de dire là. Je peux le répéter autant de fois que tu veux. Ah oui. Ah, je suis choquée. Et là, tu t'en as fait, hein? Oui, j'ai l'habitude. Votre vie de l'hiver, c'est mon charme. Bah oui, votre vie de l'hiver commence bien. Ah ouais, n'en parlez pas. C'est bientôt les partiels à ce que je vois. Ouais, pas besoin que je le dise.
y a quelque chose qui ne va pas. Si, si, ça va, mais bonjour, Marie. Oui, bien sûr, tu peux y aller. Je vais pouvoir me débrouiller quelques heures sans toi. Thank you.
avec Hélène. Tu peux m'offrir un café? Non, mais vous avez des têtes, c'est déjà des seuls maris. Et en plus, je déteste. Ah, mais je ne suis pas. Je ne suis pas malheureuse. Je suis là si vous avez besoin. Merci.
il prenait des photos. Des photos? Ouais. Bah ouais, il doit aimer les photos d'action. Ouais. Bon, faut dire tout. Thank you.
Après moi, ça fait pas très longtemps que je sais qu'elle a une fille. Je sais qu'elle lui a été retirée quand elle a perdu son boulot, puis son appartement. Et vous savez, au début, Simone, elle ne buvait pas. Oh, les circonstances ont fait qu'on devait être plus. Ça va être mieux. Oui, parce que même en s'y mettant tous, il y a des tas quand même. Oui, mais ça va vous essayer quand même. Thank you.
suis pas gentil. Bah, pourquoi vous dites ça? Betty, je vous avoue quelque chose. Non, mais vous dites rien. Votre passé, comme le mien, rien n'a d'importance. Mon père est mort. Je ne pourrai plus jamais lui dire que je l'aimais. Oh, je suis sûre qu'il le savait. Non, je n'ai pas eu le temps de lui dire. Oh, je vous en prie, Betty, ne pleurez pas. Je suis désolée. Betty. Ça s'en est un. Mais au fait, où est-ce
Zita, qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux partir, monsieur. J'en ai marre, c'est bien. Comment ça, tu veux partir? T'as pas tout ce que tu veux. Ouais, quand tu veux un nouveau modèle de ta chaîne, ça te suffit pas, non? Tu veux pas attendre un peu? Non, j'ai rien. Ok, et...
Merci beaucoup, merci. Tu sais, Bétiquet, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et tu sais que si jamais un jour tu as besoin de quelque chose, la moindre chose, ça est toujours là. Ben justement. Tu sais, Virginie, ça va me faire drôle de quitter ce bar. C'est vraiment pas question. Oh, sois positif. Hein. Écoute, on va aller dans le restaurant ensemble. Je sais, là. T'as raison, mais on a passé tellement de bons moments ici. Puis, c'est ici qu'on se rend. Il y a 6 mois déjà, tu te rends compte? Oh, yeah.
Oui, on va voir.
tout s'est arrangé de toute façon. Betty, tu es sincère. Quand? Tout le temps. Bon, je t'avoue qu'au début, je me suis servi de toi. Mais après, je suis tombé amoureux de toi. Enfin, comment t'expliquer ça? Il faut me croire, je t'aime vraiment, Betty. J'ai été sincère de toujours. Et encore aujourd'hui. Mais comment veux-tu que je te crois? Bon, c'est vrai. Je savais que c'était foutu d'attendre. De toute façon, je ne peux pas demander à toi de croire. J'ai tout gâché, je suis un imbécile et... Je voulais dire, pense à toi. Pardon. Mais c'est pas vrai. Comment peux-tu être devenue aussi dure et froide? C'est la vie qui veut ça, j'ai pas le choix. On a toujours le choix, Betty. Mais bien sûr qu'on a le choix. Va le retrouver, Betty. Mais qu'est-ce que t'entends? Mais viens, je t'entends pas. Je sais pas comment ça va. Mais oui. Un homme heureux.